Red, the trucker. Big fat guy, couldn't handle his steak. Oh, yeah. Oh, I'm getting the hang of this thing. I don't know why I didn't become a trucker before. Well, you're not really a trucker now. Oh, yeah? My left arm says different. We have to make it to Atlanta in 3 days. Piece of cake. Just need a little truck driving music. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship. Yeah. The open road. Yep, you're gonna make it, Dad. Somewhere up there, I bet Red is saying thanks. You and I.
you and I. Hello. Allez, c'est parti, un petit trek. Putain, ça monte, ça monte. Ok. Un petit gond, putain, on va s'arrêter là 2 secondes parce que je suis claqué. Ouais, regardez la bête, le camion garé pile devant l'usine. Je sais pas si vous le voyez là-bas. Direct, ça c'est la base, c'est la base. Le cadenas il est toujours là.
Les rideaux sont tirés, il va faire chaud comme jamais. A priori, ça va. Bon voilà, j'ai fait des petits achats, donc du miel d'Autriche, Osterreich, Osterreichischer Honig, de l'espèce de viande de fumée avec du lard, je sais pas quoi, du saucisson comme ça là, c'est pas pour moi ça. Et alors ça c'est 3 boissons non alcoolisées, donc on a un nectar de poire, on a un jus de pomme et on a un jus de pomme à la cerise, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est la cerise, mais c'est peut-être au raisin, mais je crois que c'est à la cerise. Mais en tout cas c'est soit pomme raisin, soit pomme cerise, et je crois que c'est cerise parce que raisin ça s'écrit pas comme ça je pense. Et bonjour à tous. Bon voilà, mon petit week-end il est terminé là, donc voilà, comme vous avez sûrement pu voir, j'ai visité un peu la petite ville là, de Hartberg. Et donc là, j'ai fait 24 heures là-bas sur place. Et là, je roule en direction de la Hongrie. Donc il n'y a pas très loin, il y a 2 heures de route jusqu'à mon client. Jusqu'à la frontière, il y a à peine 1 heure de route. Et après, il y a encore 1 heure de route après. Et je charge demain matin. Petite route de montagne, je vous mets ça en speed. Allez, c'est parti. La méthode d'enregistrement, donc vous avez le passage de la frontière en mode super rapide, j'essaierai de le ralentir. Bon, en tout cas là c'est mes premiers pas en Hongrie. Il était dépassé de 24 heures et que du coup je devais relaver. Et alors et après ça bah ils m'ont dit quoi, bah le chargement il dure 2 heures. Ok, donc ça fait 5 6 7 8 9
plus besoin de faire les papiers, de se mettre en place et tout ça, ça fait 10 heures. Voilà. Donc là maintenant je roule direction l'Autriche. Là j'y suis dans quelques minutes. Et après je prends direction la frontière allemande. Mais avant ça je dois aller faire quelques courses. Et je dois surtout aller acheter là, cette putain de vignette là. Faut que j'achète cette putain de vignette. Mais c'est pas gagné. Bon, je sens que les ennuis vont arriver. Je sais pas pourquoi, mais ça va pas tarder à arriver. Parce que j'ai comme l'impression que je peux pas venir par ici. On verra si je me fais arrêter à la frontière ou pas. Mais il est marqué interdiction 20 tonnes. Il doit avoir une putain de raison. Je suis sûr que c'est pas par ici que je vais passer, mais t'as le dispatch et il fait rien, tu vois. Il m'énerve, ça m'énerve. Bon, me voilà à la frontière, je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. Est-ce que je vais pouvoir passer par là? J'en ai aucune idée. Honnêtement, j'en ai aucune idée. J'ai comme l'impression que c'est mort, tu vois. J'ai comme l'impression que c'est mort de chez mort. Je vais me faire arrêter là, c'est sûr. Voilà, on est en Autriche. Bon, apparemment, il n'y a pas de problème. Mais je comprends quand même pas pourquoi les camions sont interdits par ici. Peut-être en cas de neige. J'en sais rien, mais... Moi, j'ai pas le choix de passer par ici. Hein, mais... C'est bon, ça fait chier aussi. Les mecs, ils te mettent un panneau Autriche depuis le début. Et quand tu arrives à la frontière, ils te disent, bah non, les camions, vous pouvez pas. Hein. Allez, hop, zou, cassez-vous. Bande de connards. Oh, ils ont pas contrôlé, on s'en bat les couilles. Don't you come back. Oh baby, please. Don't you come back no more.